Comme il y a eu, par exemple, un jour, un pacte scolaire ou un pacte culturel, il faudrait un pacte national de valeurs entre un certain nombre de partis, tant du nord que du sud du pays, qui se mettent d'accord sur ce qui est le fondement même de l'exigence démocratique. Et à partir de là, il sera peut-être plus facile, une fois qu'on s'est entendu là-dessus, de négocier ce qui est inévitable, c'est-à-dire une nouvelle configuration de nos institutions. De praatjesdemocratie, waar we in een democratie leven van holle slogan. De ene heeft goesting, bij de andere kan het anders. Nog een ander heeft vleugels. Dat is een compleet inhoudsloze democratie. Dus wij missen een inhoudelijk politiek debat. En dat die praatjesdemocratie, gecombineerd met een soort van apathie die ontstaat bij de kiezer, waar de kiezer zich eigenlijk niet interesseert aan het politieke, dat lijkt mij een heel gevaarlijke cocktail. Want je hebt in een democratie twee basisregels. De kiezer heeft altijd gelijk. Dat is juist. Ik ga dat niet betwisten. Maar de kiezer heeft ook de politici die hij verdient. Inventer un nouveau modèle en réveillant les citoyens, en faisant d'abord des citoyens, c'est-à-dire qu'on n'ait plus peur, par exemple, de les envoyer voter, que l'élection ne soit pas une punition, et qu'on revitalise ce qui est quand même le plus beau modèle qui soit, c'est la démocratie, avec ces deux pôles qui sont aussi respectables l'un que l'autre, les gouvernés, les gouvernants.